Au moment où augmentent les incertitudes sur l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, le gouvernement allemand lance une enquête sur le projet de vente d'actifs pétroliers et gaziers par le groupe allemand d'énergie RWE à un fonds d'investissement contrôlé par l'oligarque russe Mikhail Friedman pour un montant de plus de 5 milliards d'euros. En fait, RWE veut vendre sa filiale RWE-D, une société active dans 14 pays. Selon la loi allemande sur le commerce extérieur, le gouvernement Merkel peut retarder ou annuler la transaction vu le secteur stratégique que représente l'énergie. Le blocage de la transaction ressemblerait fort à une nouvelle guerre du gaz dans le sillage du conflit entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne.